calme de quelques jours avant le début effectif le 2 novembre prochain de la rentrée scolaire 2020-2021. Un temps nécessaire pour peaufiner les derniers réglages visant à faciliter et surtout améliorer les conditions d'études des apprenants. Ce 26 octobre étant la rentrée administrative. Nous sommes à l'école primaire publique d'Agbodjekboué, groupe C, un village situé à Agbelouvé dans la commune du Zion 3, à une soixantaine de kilomètres de Lomé. L'établissement contient jusqu'à 150 élèves, mais avec seulement une quarantaine d'établissements. Une problématique qui se veut être un frein aux bonnes conditions d'études des élèves, surtout avec la situation sanitaire actuelle au Covid-19. Une problématique à laquelle l'association Clémence et Bénédiction a souhaité apporter sa part de solution dans le cadre de ses objectifs qui sont ceux de promouvoir la jeunesse togolaise à travers l'éducation, la formation surtout, la sensibilisation de la jeune fille. Ainsi, ce jour, elle a fait don de 10 tables bancs à l'établissement. Vous avez constaté que dans les villes, il y a déjà les tables bancs, les établissements sont en bon état. Mais dans les villages, le besoin se fait sentir. Là où il y a besoin, nous devons travailler dur pour résoudre petit à petit ces besoins-là pour le bien de nos communauté. Un don réceptionné par les premiers responsables de l'établissement scolaire en présence des autorités locales. C'est la joie jusqu'à l'extrême et ça va droit jusqu'au fond de mon cœur. D'abord, nous avons manqué de tables bancs. Le besoin se faisait sentir depuis et subitement le Covid-19 est arrivé où les enfants devront appliquer le principe de distanciation et on pensait qu'on ne savait pas ce qu'on va faire. Et subitement, ce don est venu au point nommé. Plus qu'une semaine avant la rentrée scolaire, mais l'envie d'y être se voit déjà très grande chez les apprenants, avec surtout la présence de ces nouveaux matériels.